En 2015, notre usine d'enrobés était arrivée à bout de souffle et nous avons entrepris un réaménagement complet de l'outil industriel entre 2015 et 2017. Nous avons profité de ce réaménagement pour sécuriser les entrées-sorties du site qui ne l'étaient pas avant. Et c'est pourquoi nous avons remis en place des systèmes de contrôle d'accès avec des barrières aux entrées, aux sorties. Alors nous avons profité de cette mise en place de contrôle d'accès pour moderniser nos accueils de chauffeurs, nos accueils de camions, nos accueils de clients. Nous avons travaillé en partenariat avec SPEC pour leur demander de nous développer un système de QR code qui regroupe toutes les informations de l'appel de livraison. Simultanément, on a mis en place une détection automatique de la plaque d'immatriculation et une lecture optique qui permettait finalement en quelques secondes d'avoir l'ensemble de ces informations qui alimentent directement le bon de livraison de l'opérateur en bascule. Ce système aujourd'hui nous permet de connaître l'heure d'arrivée des camions et leurs besoins en chargement. Ces informations couplées à la saisie automatique des bons nous permettent de gagner du temps. L'avantage, c'est beaucoup moins de flux dans le sas de réception des chauffeurs. Et surtout, du fait que les informations viennent au système de Zephyr, moins de saisie de la part de l'opérateur de bascule. L'un des enjeux principaux de ce projet pour le service matériel aura été de mettre en musique l'ensemble des intervenants, le logiciel de prise de commande des enrobés, notre intervenant tiers installateur du système des bornes, le logiciel de gestion des flux de camions en interne, tout ça pour s'articuler autour de Zephyr, incontournable aujourd'hui. On avait un cahier des charges très précis. Le partenariat avec SPEG a permis de passer étape par étape tous les obstacles qui se sont présentés à nous, c'est-à-dire des difficultés dans la solution qui ont été réglées les uns après les autres. Par rapport à ce que j'ai connu il y a quelques années, ça nous apporte un gain de temps, un confort, une sécurité et plein d'autres choses aux alentours, quoi. Pour moi, c'est tout bénéfice. Ça fait quelques mois que c'est vraiment en route à 100%. Et voilà, pour moi, j'espère qu'on ne reviendra pas en arrière. Le bilan est très positif. On a une sécurisation des données, on a une simplification du système, on a un gain de temps qui est très important. Et enfin, on a aussi une sécurité du site qui est meilleure. Donc, nous projetons de dupliquer ce système sur l'ensemble de nos sites, à commencer par SPME Gennevilliers.